Salut les amis de la chaîne de l'univers Pinipon. Aujourd'hui, j'ai vraiment plein de choses à vous raconter. Je suis sûre que vous êtes plusieurs déjà à connaître les bébés Pinipon. Mais vous savez quoi? Les enfants Pinipon aussi sont arrivés. Je vais vous montrer. Regardez, dans ce pack par exemple, une Pinipon comme d'habitude et une figurine surprise d'un bébé Pinipon. Il y en a 4 différents, mais le mieux, c'est qu'à chaque fois il y a une surprise. Avec un peu de chance, tu peux tomber sur un bébé super-héros. Il y en a 2 différents et ils sont adorables. Mais ce n'est pas tout. Car regardez ces nouveaux packs avec des petits garçons et des petites filles Pinipon. On y retrouve un peu de tout. Des bébés, des enfants, des Pinipon adultes aussi. Et dans celui-ci, seulement les plus petits. Qu'en pensez-vous? Vous allez pouvoir inventer plein de nouvelles aventures avec ces petits bébés. Voici quelques-unes des mini-figurines de ma collection. Des petites fées, des petites elfes, des petites sirènes. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'elles font là? Je vous le dis d'ici peu. Car je suis sûre que pour l'instant, vous avez hâte de savoir si nous allons tomber sur un bébé super-héros ou pas. Moi aussi j'ai hâte. Et ensuite, je vous montrerai les enfants Pinipon. Allez, on l'ouvre, comme ça. Un peu plus. Et voilà, on l'a. Tout d'abord, on va sortir la Pinipon. D'ailleurs, elle a une nouvelle tenue très sympa. Voyons si on arrive à la sortir de là. Voyons... Elle est bien installée. Mais on y est presque. Voilà, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et j'adore comme elle est habillée. On la met là. Vous allez voir la différence de taille avec le bébé. La petite boîte, qu'on va ouvrir doucement. J'ai hâte de savoir sur qui on va tomber. Oh, trop mignon! C'est un bébé avec les cheveux roses. En plus, les bébés Pinipon font aussi partie des Mixies Max. C'est-à-dire qu'on peut leur changer les cheveux et le visage. J'adore! Il est si petit! Vous avez vu? Bon, on va continuer. Au cas où, on pourrait tomber sur un bébé Pinipon super-héros. Allez, on va l'ouvrir. J'adore découvrir de nouveaux jeux Pinipon comme ça. Et voilà, elle est sortie. On a ici notre Pinipon adulte. D'abord, on va la sortir avant de découvrir quel est le petit bébé dans la boîte. Hé, elle a perdu ses cheveux. On va avoir une Pinipon chauve. Hé, mais regardez ses yeux. On dirait des diamants, ils brillent. Maintenant, on va sortir le prochain bébé de sa boîte. On l'ouvre doucement. Oh! Bon, ce n'est pas un super-héros, mais il est si mignon. Regardez, avec ce sourire sans dents et avec ses cheveux à la punk. Il a du style. Mais ne perdons pas de temps, on continue. Voyons si on trouve un bébé super-héros cette fois-ci. Cette Pinipon doit sans doute travailler dans la mode. Qu'en dites-vous? Bon, les amis, il est temps de découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. On va mettre une musique un peu de suspense. Tididi. Ouais! On est tombé sur un bébé super-héros! Vous avez vu? Et ce bébé peut vivre plein d'aventures. Mais il doit tout oser. Il va falloir faire attention. Vous croyez qu'il connaît Super Pinipon? Sans doute. Allez, on va ouvrir la dernière boîte qu'il nous reste avec un bébé surprise. On l'ouvre par là, comme ça. Et voilà, on l'a. J'adore ses lunettes. Elle a l'air très intelligente. On va la sortir de là. Ouh, elle résiste. Mais presque. Allez. Et voilà. C'était un peu compliqué cette fois-ci. Sans doute car la petite boîte du bébé promet. Vous l'ouvrez avec moi? Par là, hop. Ouais, un autre bébé Pinipon super-héros. Cette fois c'est une fille et elle est adorable. Regardez. Bon, j'ai l'impression que les bébés s'ennuient un peu avec les Pinipon adultes. Je pense que c'est donc le moment de vous présenter les enfants Pinipon.
Comme je vous le disais un peu auparavant, dans ce pack, il y a plusieurs Pinipon, enfants et bébés. Et il y a plein d'accessoires. On l'ouvre. Comme ça. Et voilà, qu'a-t-on par là? Regardez, on a une petite fille très souriante. Et comme tous les Pinipon, elle a deux visages. Alors, la suivante. Regardez ce bébé avec ses deux petites couettes. Et enfin, regardez, ça, c'est un petit garçon qui a plus ou moins la taille du bébé. Mais comme il est plus grand, il peut se mettre debout. Il fait aussi partie des Mixies Max, donc on peut lui changer le visage et les cheveux. On va sortir le reste de leurs amis de leur boîte. Et si on faisait ça, on accélérait. 1, 2, 3. Ouh, on va super vite! Regardez cette belle collection. Qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as pas de jouets? Ça, ça a une solution, car on a là une superbe boîte. Regardez comme elle est grande, avec plein d'accessoires. On va les sortir. Viens là, bébé. J'ai quelque chose pour toi. Tu aimes ce jouet? Comme vous pouvez le voir, on peut leur mettre les objets dans la main. Comme pour les Pinipon adultes, il ne reste plus qu'un accessoire. Ce petit nœud te va ravir. Maintenant, retrouvons tes amis. Il y a quelque chose qui va vous plaire. Regardez, vous pouvez échanger les éléments entre bébé et enfant. Les cheveux blonds pour toi et bruns pour toi. Voilà. Vous avez vu toutes ces combinaisons possibles? Tiens, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Oups, mais je vous avais presque oublié. Amis de l'univers Pinipon, vous allez voir. Toutes les combinaisons que vous pouvez créer avec vos figurines Pinipon. Avec quelques figurines, vous pouvez en créer plein de nouvelles. Avec les nouvelles mini-figurines de bébés et enfants Pinipon, les combinaisons se multiplient à l'infini. Vous aimez ces nouvelles mini-figurines? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Vous ne raterez ainsi aucune vidéo. À bientôt !